bina luka ye internet Allo bidol bina nana whatsapp Ye biso komo nana sina forme Allo bidol solo la na messagerie Neko na zangi chombo na salandenge nini Na defa chombo na kota shira mon anite Beba mon anite Shira mon anite Amon anite Bena mon anite Salomon, la peine, je sais que tu es fatigué. Je sais que tu es vraiment fatigué. Il y a ta vidéo qui a circulé tout Los Angeles. Ici, là, wow. Le petit message là en tant que promoteur de ce que tu vas faire ici, j'ai lancé. Ouais. Mais il y a de ces gens qui veulent dire, qui veulent savoir vraiment, c'est qui Laurette la paire. En résumé, toi-même, qu'est-ce que tu peux dire de toi? Et nous dire un peu pourquoi tu es ici, pourquoi Los Angeles. D'accord. Mais je pense qu'avant de commencer, j'aimerais quand même rendre hommage parce que cette triste nouvelle, déjà, on a perdu un de nôtres de la musique. C'est vraiment, je dirais, un papa, le papa Dodo Munoko. Je voudrais vraiment lui rendre hommage parce que la RDC qui est en deuil et c'est aussi la diaspora ici qui est en deuil. Et donc, vraiment, je présente mes condoléances à toute sa famille biologique et à toute la famille musicale du vieux, du papa Dodo Munoko. Et donc, avant de poursuivre avec ta question, je ne pouvais pas passer à autre chose sans pour autant saluer sa mémoire. Sa mémoire. Donc voilà. Ok, merci beaucoup. On est ici, on sait comment ça frappe. Ouais. On est toujours dans le deuil, mais merci d'y avoir pensé. Ouais. Nous sommes le cœur avec toute sa famille biologique et la famille musicale, on est là. Et donc voilà, après pour répondre à ta question, je dirais Laurette la Perle. Laurette la Perle, d'abord la perle de la RDC, c'est comme ça que c'est parti. Ah mais bon. Laurette la Perle, c'est une chanteuse. C'est une chanteuse, donc voilà, si je dois l'expliquer vraiment. Vraiment très bref, je dirais Laurette la Perle, c'est une chanteuse. Voilà. Chanteuse, voilà, artiste chanteuse. Laurette la Perle, moi je suis ton promoteur, je suis le promoteur de ce que tu fais ici, je sais déjà. Mais de toi-même, qu'est-ce que tu peux dire aux gens? Qu'est-ce que tu viens faire ici et pourquoi Los Angeles? Bon, pourquoi Los Angeles? Je dirais que c'est parmi les villes que j'ai pas encore fait ici aux États-Unis. Et c'est une ville que j'aime beaucoup déjà, j'aime beaucoup ça China, hein, tu vois un peu. Hollywood, les signs, Hollywood tout ce et tout. Donc voilà, dans l'histoire des États-Unis, on ne peut pas ne pas parler de Los Angeles. Donc voilà. Et donc je suis ici parce que je viens de lancer un single et je suis ici pour la promotion, pour promouvoir le single. Et parmi quand même les villes ici aux États-Unis où voilà, j'ai un peu des fans, des trucs comme ça, il y a Los Angeles aussi. Donc je vais profiter, je vais faire mon clip parce que je voulais que ça se passe ici. Donc je vais faire un tournage au clip. Et puis il y a un featuring en vue avec un artiste, un grand artiste m'aidant peut-être d'avoir le nom. Et donc on va essayer d'arranger ça et puis donc voilà. Donc voilà Laurette la Perle devant cette caméra, nous sommes à Los Angeles, je ne veux pas te retenir longtemps. Ce qu'on va faire, on va bouger bientôt et tu vas te reposer à l'hôtel et puis on va continuer tout plus tard. D'accord, parce que... Tu nous promets une interview après oui, bien le sûr, repos, bien après bien sûr, le manger. Bien sûr, je savais que je pouvais compter sur toi. Ça c'est sûr, ça c'est vraiment sûr quoi. Je savais que je pouvais compter sur d'accord. toi, j'étais vu sur les clips comment t'es forte, donc ouais. Non, ça c'est sûr, ça. Donc je sais même pas si je pourrais dormir comme je suis fatiguée, mais je sais pas si je pourrais dormir. J'ai trop hâte que tu me fasses visiter, que tu me montres. Los Angeles, on va commencer bientôt, allez. D'accord, merci beaucoup. Allez, attends-toi. Violette, mon collègue. Inbox, la Facebook, message à zéro. Et bon, la Charlotte.
Saturne, y Instagram. Bah, photo toujours clean, y'a Yana Kardashian. Bah, like, l'équipe, y'a Je pense que je vais garder le meilleur pour le 2 novembre. C'est la conférence de presse, donc je garde le meilleur pour le 2 novembre. Le meilleur, c'est. Pour le 2 novembre, vendredi, je vais poser, vraiment, je vais répondre à toutes les questions, sans exception. Parce qu'il y a la conférence de presse, donc voilà, on garde le meilleur pour la fin, n'est-ce pas? Marcel Kakwata, maman Soulange Lucénie, Romain Koulombou et Do Calonge.